Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de The Guild 2, dans lequel nous incarnons Marquis Tiobugno, maire de la ville de Bergen, et sa femme, ses enfants, etc. Ouais, je vais pas tout dire à chaque fois, c'est long. On était en train d'essayer de choper les Nowak. C'est pas vrai, ça. T'es qui, toi? T'es un londonien? Non? T'es un autre? Rien à foutre. Voyons. Ah non, tu vas pas rajouter un pamplet, hein. Ah si. Voilà. Bon, on s'entend vraiment pas bien avec eux. Donner son préavis. Bon, ils donnent tous leur préavis à cause de saloperie de pamplet, là. On en rajouter un ou quoi? Voilà. Et lui, on va l'attendre. Lui, on va l'attendre à la sortie de la ville. Voilà, normalement, je devrais avoir des troupes, non? Ah, pas encore arrivé. Ah, elles sont lentes. Ah, zut. Elles sont trop lentes. Après. Est-ce que t'es équipé? Oui, t'es équipé. Toi, sors de Londres. Sors de Londres et tu vas te le faire en 1-1. Elle est où la sortie de Londres? Elle est là-bas. Votre enfant peut commencer un apprentissage. On peut commencer un apprentissage, je vois pas où est-ce qu'il est mon gosse. Ah, yeah. Lei? Lei, allez tiens, on va changer, tu vas aller à l'armée impériale toi. Où es-tu? Il veut pas sortir de la ville. Je le comprends. Alinga, viens là. Parle en langue Graves. Aucun honneur. Ah, ça y est. Puis-je aider ? Il est rapide, hein, quand même. Hein. Réputation de guilde plus 2. Parfait. Et maintenant ? Ah, mais non, mais qui c'est qui a envoyé la garde ? Non, mais sérieux, mais qu'est-ce que fout la garde ici ? Qu'est-ce que foutent ces putains de gardes partout? Non mais jamais vu ça. Il envoie la garde pour escorter ses... pour se faire escorter lui. Non mais n'importe quoi. Bon bah je vais aller choper autre part là. J'en ai rien à foutre, je te choperai quoi qu'il arrive. Voilà. On devrait être assez loin de la garde. J'en vois pas de ce côté là. Là, ça a l'air d'être correct. Venez vite l'aider, lui. Pas de problème. Enfin, elle, je veux dire. Oh, bah attendez, je lui mets une sacrée branlée avec Mash. Bon, j'ai quand même appelé du renfort au cas où la garde se pointe. Hein, on n'est pas à l'abri. C'est bon, t'es soigné, toi? On va refaire du prosélytisme. Alors oui, si possible, elle va le faire dehors, quand même. Voyons voir. Ouais, bon, je le dérouille tout seul. Il n'y a pas l'air d'avoir de garde qui se pointe. C'est bon, c'est très bon, même. Des mineurs ici? Une mine? Et une mine qui n'est pas la mienne. Tiens non. Bien joué, achève-le. Un différent vient d'être réglé. Vous venez de commettre un meurtre. Voilà. Alors juste par acquis de conscience, je vais te faire escorter. On sait jamais. Ah mais t'es pas soigné toi? C'est terrible ça. Oh la vache.
Oh, l'expérience. Oh la vache. C'est juste énorme. Agilité, ouais, on va augmenter l'agilité. C'est sympa l'agilité. Don de la vente, ok. Exploitation, savoir livresque. Exploitation, allez. Et toi, non, tu n'as pas plus d'expérience que ça. Hop là. Qui a-t-il ? Allez, allez, allez. Sinon, une fois que ce sera fait, qu'est-ce qui... Ok, faire un tour chelou, c'est pas grave. Une fois que ça sera fait, je voulais... Oui, me rendre à... Danzig. J'étais pamplé à... J'ai pas mal de pamplé à... Arracher. Ok. Donc toi va à Danzig, toi va à Danzig aussi. On va savoir si j'ai réussi à lui en... Putain, c'est pareil ça. On a plus, on a encore. Il y a une grande famille. Il va vraiment falloir s'en débarrasser. Revient sur sa décision. La protection de Dieu vient de prendre fin. Nous travaillons consciencieusement dans mon commerce. Qu'elle aille reçoit des soins. Les soins sont terminés. On va aller arracher le dernier pampelé. On va aller mettre notre propre pompelé. La cour revient sur sa décision. Et ce sera une affaire qui roule. C'est vrai que je pourrais faire un assassinat de personnage aussi encore. Pourquoi pas, j'ai les moyens. Putain, je peux pas. C'est fou. Bon, est-ce que je peux... Toi, non mais des... Viens là. Oh la vengeance. Oye oye. Non, on t'écoute. Ouais. Ok. Voilà toi. T'as arrêté ton apprentissage, retourne-y. J'en ai rien à secouer. Voilà. Tiens d'ailleurs, t'as pas une bague ou un truc comme ça à mettre toi? Oh, une chaîne en or, ça devrait être mieux qu'une bague. Non? Ne faites pas semblant d'être fatigué. Ah, quoique c'est moins cher. Oh si! Ah non, c'est pareil. Ok. C'est exactement la même chose. Y a un problème? Ah, j'aurais peut-être dû prendre ma chaîne d'échevin. Ouais. C'est pas bien grave. Comment la garde urbaine. Pour les inquisitions, je les vois pas. Hein. C'est quoi ça? On sorcelle un bâtiment. Yeah. Et ça fait quoi? Toi, la disparition mystérieuse d'une partie de matière première. Ouais. Voyons. J'ai besoin de regarder les babioles. C'est pas vrai ça, mais... Attends.
Attends, on a fait des... Ah! Pas une charrette là? Pas une charrette qui traîne là? Ah ouais non, j'avais vraiment pas de charrette qui traînait quoi. Ah ouais, bah tu m'étonnes, je pouvais toujours attendre l'achat et la vente. Ouais. Oh putain. Yep, alors toi non, toi tu vas aller là. Et cette charrette, je veux toucher moi là. J'ai mal aux pieds. Je veux que tout aille dans ma maison principale. Pour ma propre utilisation. Hop, décharger, repartir. Voilà. La demande d'un Toujours pas le retirer, est le terminée. pampeler, bientôt. Très bientôt. Alors. Déjà l'heure de partir? Ah bon? Si tu passerais à la salle principale de guilde. Je sais pas si je peux acheter un truc ici. En Voilà. avant! On arrache le dernier pamplé qui nous embête. On affiche un autre. Sur lui là, enfin, sur elle plutôt. Une fois que c'est fait, direction la salle principale de la ville de Londres. Ça Voilà. prendra pas longtemps. Même si à mon avis je vais pas pouvoir l'acheter. Hein. J'ai peur de ne pas pouvoir ici. C'est pas très grave. J'irai l'acheter à Bergen. Ouais, ça l'a fait sortir. Je suis là. C'est pas grave. Ils sont arrivés, très bien. Elle est arrachée et les pampelés là. Cui bono. Puis-je aider? Ouais, deux pampelés en moins. Sur elle et ça va marcher. Oui, il y a un truc chelou, une interaction étrange là. C'est pas grave. Allez, va là-bas. Toi, tu as un truc à utiliser. Toi, va faire un peu de prosélytisme. On a rien sans rien. Eh bien, voyons voir. Est-ce que par hasard, ils sortent de la ville? Non, ils s'accompagnent. Hein. Ils ont bien compris que là. Il faut qu'ils y aillent tous ensemble. Parce que ça craint pour leur matricule. Poliment dire, bien évidemment. Déjà l'heure de partir? Ah bon? Je ne sais plus quoi faire de ces rats. Un coupon de voleur, je peux pas l'acheter. Hein. Eh non, eh non, eh non. Dommage. Allez, retour en ville pour tous. Ce n'est pas toujours facile d'avoir à charge aussi bien la santé physique que morale d'autres personnes. Pas postuler là. Non. Du coup, je voulais essayer quand même. Quoique. Il me déteste tout ça. C'est quand même bizarre qu'il me déteste à ce point. Les noix.
moi qui vont être détestés. Attends, quoi? Il y en a un qui fait du prosélytisme, là. Oui, non, c'est bien, c'est mon... C'est mon moine. C'est mon moine. Ce n'est pas toujours facile d'avoir à charge aussi bien la santé physique que morale d'autres personnes. On peut pas te balader plus vite? Ok, bon, dommage. Oh, regardez, c'est bientôt terminé. On a bientôt un palace de campagne. Un palace ou un... Un palace. Un comptoir achète certaines marchandises. Oh, oh. Oh là là. C'est vrai qu'on a besoin d'un... Combien? Un million? Plus d'un million, je crois. Pour avoir le... Un rang supplémentaire. C'est pas donné. Quoi? J'ai mes troupes, non? Qui sont dans le coin, hein, si je me trompe pas. Ouais. Non. Quel est le problème? Quel est le... Oui. Très bien. Je pensais qu'ils étaient dans le coin. Ah, et je les ai foutus là, ok. Ok, et là-bas, je vais y mettre d'autres personnes, là, ici. J'aime bien entendu. Je me suis fait avoir. Alors... Faisons un petit tour de nos bâtiments parce que bon, il y en a possiblement qui sont barrés. Ouais. Oh la vache! Vends-moi tout ça, ouais. Garde pas tout ça, toi. C'est pareil ou pas, là? Ah ouais, là, c'est pareil. Et vendez-moi tout, les mecs, là. J'en ai rien à foutre. Comment? Comment c'est arrivé là, ça? Comment ça arrivait là alors que j'ai tout foutu dans la maison? Allô, ma piole. Faut se calmer. Hein. Ok. Un bâtiment vient d'être aménagé. C'était... Je fais le tour. Ah voilà. J'ai bien fait de faire le tour. Encore ici, mais c'est dingue ça. T'as quand même pas compté comme... Comme ayant des travers de Danzig ici. Ah, j'ai l'impression. C'est un délire. Quoique, on m'aime pas vraiment ici non plus, donc bon. Oui. Vraiment devoir me balader avec des chaînes, des chemins partout, quoi. Je vais faire des allers-retours. Au choix. C'est moche hein, d'en venir là, d'en arriver là. J'ai double constitution miraculeuse ici. Ok. Nous travaillons consciencieusement dans mon commerce. Ego sum qui sum. Ah oui. Non, c'est ça que je voulais faire. Tac, tac. Oh putain. Je viens de faire le tour et là, qu'est-ce qu'ils me disent? Oh bah, on va les faire barrer maintenant, quoi. Oh, salaud, quoi. C'est pas grave. Attends, c'est quoi mes listes de preuves? C'est contre qui? C'est où? Bah. Ah, ils sont là. Oula. Kayla et Medwin. Bon bah on va faire sur le dernier. Caroline. On va faire un petit assassinat de personnage. Et puis bon, on est reparti pour un tour. Ah. Bon bah ils recruteront tout seul. Hein. Fait chier. Je suis pas assez proche là, c'est ça?
Effectivement, j'étais pas assez proche. Elle. Bénis soient ceux qui acceptent. Au travail. Ça va marcher parce qu'il s'est barré, c'est ça? Il s'est barré trop loin et du coup je peux pas. Arrête de bouger toi. En avant. Voilà. Urgence. Oui, oui. Bon, ça s'améliore bientôt, ça? Non, parce qu'on peut rien faire en attendant, c'est un peu embêtant, quoi. Au travail. Bon, t'en es d'où? Toi, t'es bientôt arrivé, t'en es d'où, toi? Ouf, tu traînes la patte. Hein. J'ai besoin d'accuser quelqu'un. C'est moi l'achat d'un titre. Ok. Qu'est-ce que c'est fait sur... Ok. Quelqu'un vient de vous parler. Ils font des trucs chelous quand même. Oh. Vous souhaitez obtenir un titre de noblesse plus important pour améliorer votre niveau. C'est tout ? Oh, je crois que c'était dans le million, moi. C'est bon, c'est rien. 600 000, qu'est-ce que c'est ? Chose. Oula. Ah, peut-être, alors. Peut-être que, ça y est, peut-être que ça va s'améliorer. Ah, je suis déçu, je pensais que ça allait être la ville qui allait s'améliorer. Votre enfant peut commencer. Oh, déception. Antoine, viens là, tu peux commencer l'apprentissage. Moi, chez le boulanger de la cour du duc. Oh, que pourvoyeur de... Ouais. On a rien sorti. C'est bon, tiens, toi, tu veux pas acheter ta chaîne? J'ai oublié ce détail, ça. Comment ça, y a pas de cette place dans mon inventaire? Attendez, j'ai une! Mais utilisez-la, voyons. À part moi, ce... Tu ne peux pas. Très bien. Alors, toi, tu vas te rendre alors à... À Danzig. Voilà, tu viens de rentrer. Ben, tu repars. Toi, pareil, va t'acheter une chaîne d'échevin et va faire le beau. Par contre, ça veut toujours pas grandir, ça, c'est terrible. Attendez, mon palace, il est pas terminé aussi. Là, j'ai pas vu. Je passe à côté. Alors. Oh putain. 10 000. Ah ouais. Ah, c'est de la protection, hein. C'est bien. Hein, là. Ah oui. C'est pas donné. Quand tu dis stockage 10 000. Putain. Je sais pas ce qu'on y stocke, mais c'est quand même sacrément badass. Par contre, là, les 4, faut pas les embêter. Hein. Là, ils en escortent un. Tiens, ils vont escorter un gars. Vous allez escorter. Non, escorter plutôt lui. Toi, tu achètes ta chaîne. Le but étant de vraiment avoir un... que tout le monde nous kiffe dans notre ville déjà. On verra pour le reste. Oui, achète. Je suis là. Mets ta chaîne. Et montre-toi dans les... Il y a des gardes de partout. Des baillis, des gardes, il y en a partout. C'est un délire. Rien de tel qu'une bonne bière. Patrimoine 3 millions 3.
Mama. C'est pas mal, hein. Regardez comment je suis trop beau, enfin comment mes accessoires ils sont trop beaux, wesh, waouh. Ouais, tu kiffes, hein. Ouais. Ouais. Venez là, ils sont où les autres là? Mais revenez, partez pas Avec dormir maintenant, plaisir. quoi, les mecs. Regardez, waouh. Ah, vous m'avez déjà vu, merde. Avec plaisir. Revenez, Vous revenez. venez de Un membre de la trouver famille est un malade. endroit. Toto. Oh, c'est un rhume, ça va. Y a du monde à l'auberge? Ah non, il n'y a pas grand monde là-bas. Votre Bon, ce enfant que je vais faire, mérite c'est que je vais d'être augmenter le répondu franc. cachet. Retourne-y. Lui, il fait une messe pour lui tout seul, pourquoi pas. C'est Quel est bien ton plan ça. véritable? Oh, qui a laissé les tables dégueulasses? Nous travaillons consciencieusement dans mon commerce. Non, c'est pas ça. T'es où, toi? Mets ta chaîne d'échevin et fais un serment. On va attirer du monde. Ah oui, c'est vrai que t'as un rhume. C'est grave. Ouais, pour l'époque, un rhume, ça pouvait être compliqué. Alors, t'as mis ta chaîne des cheveux, hein, toi? Oui. Déjà? Oh merde, elle est déjà presque usée. La vache. C'est rapide, bon bah. Un passage au marché, il va falloir changer. Merde. C'était pas prévu. Puis y a rien. Y a rien. Y a que dalle, que chi, niais. Putain, c'est pourri. Ah ouais, je peux avoir un peigne. Ouais. Trop bien. Bon, t'es où? Le Mais t'arrêtes travail, pas c'est devant toute des la vie. détails, là. On s'en fout des panneaux, là. Prends ton peigne. Fais-toi belle. Voilà. Et direction Danzig. C'est bon, ça a pas marché. Va à Danzig, nom de Jew. Encore? Mais là, j'avais mis des défenseurs. Hein. Ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, les mecs. Allons-y. Où dois-je attaquer? Si vous le dites. C'est bon, j'ai ma dose. Putain, mais ils sont 50 en plus, quoi. Ouais, j'allais choper un par un, là, mais... Et on va voir. Est-ce que déjà, je peux en choper un? Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Oh! Oh! Hé hé. Attendez, 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 messieurs, là. Quel est le problème? Pas de problème. Voilà. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Très bien. Suis-je aidé? Attendez, comment ça? Ils se battent là? Non, pas eux. Où? Ok, c'est bon. Elle arrive. Tu sais quoi, Ne fais fais-toi pas belle. semblant d'être fatigué. Hop là. Quel est le Et problème? J'ai vu que tu avais commis l'erreur de sortir de ta ville et encore plus l'erreur de te rapprocher de ma ville. Je ne sais pas ce qui t'a poussé à faire ça, mais cela causera ta perte.
Allez, arrache-moi ce dernier pampelé. Oh, il y a du travailleur là. Attendez, attendez, attendez. Ah oui, vas-y, attends. Hey, on va profiter de l'incendie là pour bien se faire voir. Regardez, regardez, regardez. Hop, tout le monde va nous regarder là. Non, non, attendez, mais éteignez pas trop tôt. Ça va, ça va, ça va. Vous voyez, je me rends à lieu d'incendie pour... pour aider les pauvres... pauvres travailleurs qui m'ont pourtant lâchement abandonné. Alors que je leur versais un salaire tous les jours, que je les ai employés. Je les ai employés, plutôt. Malgré leur manque de qualification. Vous voyez ma générosité. On va te soigner, toi. Quoi encore? Y a-t-il d'autres pamphlets qui ont été rajoutés? Il y en a un, je crois, sur moi. Non, je sais pas. Ce n'est pas toujours facile d'avoir à charge aussi bien la santé. In vino veritas. Il est où? Il se traîne la patte à ce point-là? Il est où? Y a un problème? Ça fait un moment quand même que je l'avais envoyé, lui. Oh là là, que je me fais bien voir à la sortie de la messe. Malgré tout ça, je sais pas où ils sont, hein, mais je les croise et ça me donne rien. Et ils m'aiment toujours pas. Bah va à l'église, mais y a personne. Terrible. Je suis là. Ok, du monde pour faire le service. Je vais aller récupérer encore une fois une chaîne d'échevin. Là, c'est avant 3 heures. Ok. Ah oui, mais attends, j'ai pas mon. Eh ben si. Je verrai, j'utiliserai le. Je vais partir en voyage et j'essaierai d'aller plus vite. Ce n'est pas toujours facile d'avoir à charge. Achète une chaîne. Bah plus on est d'accord. T'es guéri toi? Quelqu'un vient de vous parler. Voyons, voyons, voyons. 3 heures des poussières, ok, pareil que là. Plutôt que d'administrer, tu veux pas le recevoir? Oui, voilà. Voyons un peu ça. On tape un bon petit coup de froid. Vous avez attrapé froid. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Merci, merci très cher. Tiens, pour le coup. Tu sais quoi? Pour la peine, je vais payer des primes. Et une grosse prime en plus, hein. Franchement, je suis quand même quelqu'un de sympa, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis le maître. Moi, j'ai quand même vu qu'ils m'ont bien aidé, j'ai fait des primes et tout. J'ai lâché une grosse prime comme il fallait, là. Moi, je vois ça. Hein. 15 000. 15 000 pour 5 personnes. Ils se mettent bien. Ils ont de quoi acheter une petite maison. Hein. Mine de rien. Bon, tu veux pas grandir, toi, un jour? Ah, si je consulte le journal de trésorerie, t'as de quoi en plus. Hein. Oh putain. Les revenus ont coûté. Comment ça, les revenus ont coûté? C'est pas plutôt rapporté normalement
Pourquoi je dis ça, j'en sais rien. Allez, falloir déchirer le pamphlet et être rapide sur le voyage, mon ami. Hein. Et de naissance noble. Ah là là. Déchirer un pamphlet. Comte Tube Unio. Ça date ce pamphlet. Hein. Quelques années que je suis plus considéré comme étant comte. Hein. Hop, et affiché. Qui a pris la place? Ah mais attendez. Je l'avais oublié lui. Oui. Regardez la mine. Oh merde. Hop, oui allons-y. Oh ça coûte cher. Alors j'ai vu quelque chose de très intéressant que j'avais totalement zappé. C'est lui. Oh merde. Oh j'ai dû... Même pas. Il est toujours vivant? Il a de la chance lui. Hein. Comment il est arrivé là? Qu'y a-t-il? Bon, je suis pas sûr d'arriver à temps. Hein. Ouais, surtout si elle galère comme ça la calèche. Oh putain. Je suis à peu près sûr qu'elle met moins de temps en pied. What the fuck? Waouh! Ouais, c'est compliqué la calèche, hein. Non, peut-être, je dis bien peut-être qu'en ligne droite c'est plus rapide. T'as pas ce qu'il fallait pour bien te faire voir, toi? Non. Mais merde, attends, postuler. J'ai pas postulé. Postuler un siège. Toi, postule son siège là d'ailleurs. Oh non, encore une élection. Bah, et où? T'es pas content, dégage. Il y a quelqu'un qui veut me piquer mon poste aussi. Tiens, je vais le foutre dehors. Venir quelqu'un. La demande d'un comptoir. Kelson. Hop, tiens, dégage. Je vous interdis de venir ici à compter de ce jour. Voilà, dégage un coup. Oh, l'expérience, toi. C'est bon, t'as postulé, toi? Yes. Je vais complimenter celle-là, là. Attends, il a osé venir. Oh, mais c'est qu'il y a du monde dans le coin. C'est que c'est, ça devient très intéressant. Conseil vient de commencer sans vous. Hein? Comment ça, pacte d'assistance mutuelle? Non, ça va dégage ça. Bon, elle est pas arrivée à temps, donc... Sur la charge suivante. Le très honorable poste de maire de notre belle ville. Les personnes suivantes postulent à une charge de... Les personnes suivantes peuvent voter. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez toujours être utile au conseil? Non. Il n'y a que moi. Pas besoin, enfin. Les compétences requises pour ce siège. Je suis surfait. Je vais vous accorder un moment de réflexion. Quelqu'un vous menace. Je peux rien faire. Ah, c'est sympa. Il est temps de prendre une décision quant à cette requête. Un partout. 2-1. Hop, ça c'est fait. Quel est le problème? Quel est le plan?
Ouais, alors, voyons voir, il y aurait pas un Nowak dans le coin là? Putain, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est considéré comme étant pacte de non-agression. C'est hors de question. Mes amis, eux, jamais de la vie. Ça, je m'en fous. Voilà. Attends, c'est chez où ça? C'est chez moi? Nous travaillons consciencieusement dans mon commerce. Quelqu'un essaie de vous soudoyer. Oui, fais-moi cette thune. Par contre, t'es où? Elle est où la Nowak? Elle est là. Oh, moi je peux dire que pacte de non-agression ou pas. Ça vite jarter ça. Alors je vais les faire. Quelqu'un vient de vous parler. Bien sûr que je vote pour moi. Faut pas déconner non plus. Je vais le faire aller un peu plus par là, le temps qu'elle arrive et qu'il casse ce pacte de non-agression. Ne faites pas semblant d'être fatigué. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Le travail, c'est toute ma vie. Allez, salaud. Allez, salaud. Je vais vous accorder un moment de réflexion. Bon, ça, je m'en fous. Ça n'est que partie remise. Quelqu'un essaie de... Oui, donne-moi ça, burn machin, là. Charge aussi bien la santé physique que morale d'autres personnes. Je peux pas voter. Écoute, Il y ce a que un je veux pas, problème. c'est que je peux vraiment pas voter. Pourtant, j'y ai mis du mien. Je voulais vraiment le faire pour que c'est une égalité, que ce soit du hasard. Mais bon. Ça me fout que ça, par contre. Vraiment, je peux pas. Je reconnais, c'est buggé ça, non? Oh. Oh. Oh, ça sent pas bon. Alors, voyons. Ça, c'est bon, c'est vide. Ça. Ah, et bien ici, c'est vide, mais d'employés aussi. Il serait temps de travailler les Oui, mecs hein, quand même. Hein. entendu. Vous êtes... Je vous paye pas rien Oui. foutre. Bon bah c'est buggy ici. C'est pour voir si ça relance après la fin de partie. Nous travaillons consciencieusement dans mon commerce. Tiens, entraîne-toi. C'est comme si c'était fait. Pas de changer. Non, en fait, non, t'entraînes pas. Tu vas aller travailler. Le travail, c'est Voilà. toute ma vie. Et maintenant? Plus à chaque fois qu'ils s'entraînent, ça augmente leur risque de blessure de je sais pas combien là. Ok, achat d'un Si titre. vous souhaitez obtenir 1000 merci, Achat d'un monsieur le titre, on va conseiller. pouvoir placer Duc. Vous serez rapidement informé de la décision prise. On va se mettre bien. Combien sera le prochain titre au niveau du prix, par contre, Oui. ça risque d'être très légèrement cher, légèrement extrêmement cher. Ça a l'air d'être bien buggé, hein. Là, j'ai même pas mon nouveau titre. Je Au suis le revoir. maître. Bon, elle est la mine, c'est bien.
Ben ça s'avance pas. Ah, si octroi un titre. Wow. Dans son infinie sagesse, c'est une récompense des services rendus au roi et à sa patrie. Sa majesté l'empereur a décidé que vous, maire de la ville, Chub Unio, pouvez jouer un nouveau titre. Bon, désormais, il faut rappeler duc. Sans commerce. Ouais. Cuillère en or d'origine noble. Demander des recruteurs, attention publique, insulter quelqu'un. Appartient à la très haute noblesse. Je peux encore en acheter ou pas? Je suis sûr que vous venez pour acheter un nouveau titre. Ah ouais? Ah au calme. Un prince. Ouais. Ce n'est pas toujours pourquoi pas d'avoir à charge bon. Aussi bien la santé physique que morale. Eh ben on va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui et j'espère moi qu'il vous aura plu. On est devenu duc. Prochain objectif, devenir prince. On n'a toujours pas réussi à éliminer ces saloperies de Nowak. Ça viendra, vous en faites pas. J'ai confiance en nos capacités. En attendant, moi je vous remercie d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine. C'était Tchob.